Donc voilà, on est sur le programme de Lolo sur le CPC. Donc voilà où j'en suis dans la timemap. Donc là, je vais rajouter un ennemi, le serpent. Donc je vais aller dans mon paint. Je travaille avec paint. Voilà, ici j'ai le serpent. Je le copie. Je vais agrandir mon die set ici. J'agrandis la taille de la zone de dessin. Je rajoute 16 pixels en bas. Donc je suis à 112. Hop. Et ici, je vais coller mon serpent. Donc là, je sauvegarde mon image. Je vais sur Conv, image APC, et je fais la lecture la nouvelle image. Donc cette taille 7 Lolo, on voit bien mes petits serpents qui apparaissent. Je le charge. Et voilà, automatiquement, il m'a converti le PNG en données pour être exploité sur le CPC, en fichier SCR. J'enregistre mon dataset Lolo SCR. Je demande de le remplacer, oui. Je vais sur Tile. Tile, il a mis à jour directement. Il a vu qu'on avait rajouté les quatre personnages en bas, des serpents. Je le sélectionne, je le pose sur mon dataset, sur ma map. Voilà, je vais en mettre 4. Donc j'enregistre. Je pense à exporter en Lua. Voilà. Maintenant, je retourne dans Visual Code et dans mon programme de Wrapper pour convertir toutes les données pour être exploitées en ASM. Donc, je lance mon programme. Mon programme se charge de récupérer la palette, de récupérer la map, de récupérer le tileset s'il a été modifié et de recalculer tout et de me refaire des fichiers que je vais pouvoir exploiter après dans l'assembleur. Donc, ici, tout en bas, mon code assembleur, je récupère tous les fichiers que j'ai créés. Voilà. Donc je vais, là, si je me mets pour le moment sur le programme, je le lance, il n'y a rien qui change. Par contre, il va falloir que j'assemble le code. Donc j'assemble, je reviens ici, je lance. Et voilà, ça s'est mis à jour automatiquement. J'ai mes quatre petits personnages que je viens de rajouter qui sont mis en plus. Voilà pour la démo.